Et salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Captain Toad Treasure Tracker, le jeu qui va ressortir sur Nintendo Switch le 13 juillet 2018. Ça a été annoncé durant le Nintendo Direct du 8 mars. Et je me suis dit pour que toutes les personnes puissent savoir ce que c'est ce jeu-là, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément eu la Wii U, que vous puissiez savoir un petit peu ce que c'est. Et bien vous contrôlez Toad qui doit récupérer des trésors. Hein. Treasure Tracker, bien évidemment, on va chasser des petits trésors. Donc vous voyez, le jeu est vraiment très très joli, vraiment très mignon. Il a pas excessivement fonctionné parce que la Wii U malheureusement n'a pas excessivement fonctionné, mais c'est un excellent jeu, franchement un très 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 bon jeu, et j'avais hâte de pouvoir le redécouvrir avec vous puisque je n'y avais pas touché depuis un sacré bout de temps. Et du coup, eh bien on va pouvoir le faire ensemble, et ça c'est super cool. Donc vraiment le début du jeu, on est complètement au début du jeu. Il y a, c'est pas vraiment du spoil, de toute façon bien évidemment c'est vraiment l'histoire de le découvrir ensemble. Regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, on peut pas récupérer notre petite étoile. Toadette, non! Je me souviens plus du tout du jeu, je crois que je l'avais quasiment même pas joué à l'époque sur Nintendo Wii U. Donc bah, on va pouvoir se faire clairement, clairement à quoi ça ressemble, tu vois. Allez, avec le petit logo qui s'affiche, très bien. Allez, voilà, vraiment le début du jeu dans lequel vous accédez au petit cahier dans lequel vous allez pouvoir sélectionner vos stages. Hein, voilà, c'est là-dedans que vous allez pouvoir sélectionner vos stages, tu vois, regarde. Allez, hop là, on va aller vers la droite. Boum, le nouveau stage, première quête qui est ici, première quête au col Cueillette. Comme ça vous allez voir un petit peu le début du jeu, un petit peu à quoi ça ressemble. Sachant que sur Nintendo Switch, comme je vous l'avais précisé, vous allez pouvoir eh bien, jouer avec deux Joy-Con, c'est-à-dire jouer à deux personnes, ne serait-ce qu'avec un seul Joy-Con, pour pouvoir eh bien, lancer les petits navets. Regardez, là il y a un navet, enfin c'est pas un navet d'ailleurs, c'était une petite pièce. Vous allez pouvoir, il y en a un qui va pouvoir être occupé à contrôler Toad, et l'autre qui sera occupé à contrôler les navets pour justement eh bien, l'aider dans sa quête, tu vois. Allez, allez, vas-y, vas-y. Prends-nous toutes les petites pièces, c'est bon. Hop. Vous voyez qu'il est très joli, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore ce jeu, déjà, à l'époque. Attends, on va faire ça. Boum. Très bien, on récupère ça. Est-ce que ça serait pas sous ma caméra? Regardez, je l'ai mal mise, ma caméra. On sera mieux comme ça, sinon on ne verra rien. Et j'ai lancé ça, j'ai lancé trop tôt. Il y a des petites pièces cachées juste là. Ok. Il aurait fallu qu'on aille là-haut. Il aurait fallu qu'on aille voir ce qu'il y avait là-haut. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas après? Je suis pas sûr. Attendez. Allez, chope-moi ça. Boum. Nickel. Oh. Ah, cool. Allez, vas-y, casse-nous tout ça. Tout. Ah, il y a un truc en dessous. Vous voyez qu'il y a une vie en dessous. Par où on y accède à celle-ci? Là, ici, par là. Il fallait casser le petit... Vous voyez, il y a des petites feintes, histoire de récupérer des petites pièces en plus, qui est toujours agréable. Et du coup, j'ai aucune idée de comment on peut aller récupérer le truc qui est en face, par contre. Alors, déplacer pour inspecter les alentours. Ouais. S'il faut aller là-haut. Alors, peut-être zoomer, voir un petit peu. Ah bah regardez, j'avais pas vu le levier qui était là. Très bien, voilà, il suffisait de demander. Allez, le petit champ pipi. Ah mais cool, on pouvait te parler, très bien. Mais voilà, on a récupéré les trois petits diamants du niveau. Et on est parti pour récupérer l'étoile qui terminera le niveau. Très bien, ça c'est fait. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement il est vraiment trop mignon ce jeu. Il est vraiment trop mignon. Et j'ai hâte qu'il ressorte sur Nintendo Switch pour pouvoir le faire. Parce que j'avais adoré l'expérience que j'avais vécu à l'époque, malgré le fait que j'avais pas pu le faire. Donc là du coup on peut en profiter accessoirement à droite pour en savoir plus. Ah, on pourra utiliser les amiibo, ça c'est bien. Attendez, regardez. Voyons voir. Pour jouer à cache-cache, afficher la page d'un stage terminé, puis toucher pour quelle page pour afficher un ami avec un amiibo Toad. Oui, mais j'ai pas l'amiibo Toad, c'est peut-être un des seuls qui me manque. Ah, ça c'est triste. On l'achète. Vous savez quoi, on achètera un amiibo Toad pour pouvoir l'utiliser avec la Nintendo Switch quand le jeu sortira. Je vous le rappelle qu'il sortira le 13 juillet. Donc on pourra tester ça ensemble. Alors, du coup. Oh là. Ça c'est fait, je m'en souvenais pas du tout. Ah, attendez, il y a des petites pièces au fond. Ok. Allez Toad, dépêche-toi. Allez, bon ce qui est bien c'est qu'il sait nager au moins, ça c'est une bonne chose. Hop. Ok, très bien, voilà. Alors je suppose que ça va être comme avec la Nintendo Wii U. Puisqu'avec la Nintendo Wii U, je vais vous montrer un petit peu. Attendez, c'est pas par là. Non. Ah punaise. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis désolé mon cher Toad. Attends, diamante là. Je vais vous montrer parce qu'avec le gamepad de la Nintendo Wii U, en fait, on peut, vous voyez, vous faites ça, et ensuite, vous pouvez un petit peu faire tourner le plateau. Je suppose qu'il y aura, le gyroscope également sur la Nintendo Switch, c'est quasiment sûr. Je pense que ça peut, à mon avis, être une bonne expérience de gameplay en plus. Ah, vas-y, encore.
voilà. Moi, je pense que ça peut être une très bonne chose. Attendez, il y a un petit passage qui est là. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose par là? Ah d'accord, là c'est juste pour monter, on récupère des pièces. Attends. Il n'y a pas un passage là? Ah, c'est caché. Ah, ok. Ah, mais d'accord. Bah prévenez aussi les gars. Il y a des petites pièces qu'on va aller chercher là. Encore. Encore un petit peu. On va attendre encore un tout petit poil. Voilà, nickel. Et là on peut monter dedans. Vite, 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 vite. Ah toi, t'es pas dépêché là. Par contre, je pense qu'on a on a dû rater un truc. Alors regardez, j'avais pas vu le petit machin en bas. Attendez. On va rester dedans parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite porte là. C'est bien ce que je pensais, il y avait un truc là. Là on a oublié un petit truc en bas là dans le machin. Alors attends. Tiens, toi tu me prends ça. Ah non, je suis pas d'accord, par contre je suis pas d'accord du tout, on a oublié un. Il y en a un qui est caché quelque part et qu'on n'a pas récupéré. Bon, ça c'est perdu, c'est pas grave parce que je suis sûr qu'on en a oublié un. Est-ce qu'il y a les 3 diamants à trouver dans chaque monde? Alors dans chaque monde ils sont pas forcément excessivement simples à trouver, hein. Voilà, vous le savez. Parce que là, regardez, on en a trouvé 2 et celui qui est au milieu, on l'a pas trouvé du tout. Alors là, c'était un champignon, tu vois. C'est pas du tout ça qu'on cherchait, mais du coup, il est caché où? Il serait par là? Il doit y avoir un truc supplémentaire. Ah bah regardez, il est là! Oh là là! Oh, c'était bien caché! Oh là 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 là! Ah bah c'est très 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 bien caché! Donc on va pouvoir filer tout de suite vers la fin du niveau. On va bloquer les deux petits messieurs qui sont là. Très bien, merci à vous. Et les gars, et bah c'est terminé. Et du coup, il n'y a pas un champignon d'or à trouver aussi? Est-ce qu'il y avait un champignon d'or dans celui-là? Je suppose qu'il y a un champignon d'or à trouver dans chaque et qu'on l'a pas trouvé. Terminer sans détruire le pont. Ah bah c'est foutu, on n'a pas fait la quête secondaire. Bah c'est pas grave, on le fera plus tard. Allez, allez, tactique, on va en faire quelques petits mondes comme ça, histoire que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. J'espère que vous êtes en train de kiffer avec moi cette redécouverte pour certains ou cette découverte totale pour d'autres. Alors, appuyez sur le gamepad. Ah mais voilà, voilà où ils sont les petites compatibilités tactiles. En fait vous appuyez sur chaque truc et vous pouvez gérer... Vous pouvez gérer les chaque bloc indépendamment. Et bah très très bien. Voilà, comme ça moi vous voyez que le tactile, il est vraiment très utile. Ok. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y en a un qui est là. Est-ce que là je me suis avancé quelque part ou pas? Absolument pas. Ok. Alors celui-là il fait que 2 mouvements celui-là. Et celui-là il en fait combien? Hop là, d'accord. Très bien. Ensuite, le bleu. Ah, il y a des petites pièces qui sont apparues déjà. Ça, c'est une bonne chose pour nous. Le rose. Ok. Donc, on va le rebouger. On va rebouger le bleu vers le bas. Voilà, comme ça, on peut passer sur le petit chemin qui est là. Ensuite, le rose. On le redécale. On rentre là-dedans. Ah, il y a le petit bleu qui est là aussi. Ah, bah, très bien. Allez, ça nous en fait 2. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc en haut. Attendez. Le bleu, on le redescend. On va aller checker ce qu'il y a dans cette petite motte d'herbe. Alors c'est la clé dont on a besoin pour aller en bas. Ok, c'est noté. Ah oui, mais on peut pas la garder comme ça. Donc on va la balancer en bas si je peux. Non ! C'était pas voulu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais Toad ! Mais sois précis dans tes mouvements. Il plaisante là. Oh, balance encore un tout petit peu plus loin, regarde. Un tout petit peu plus loin, s'il te plaît. Bon, c'était trop loin. C'est pas grave. On va aller. Mais non! Bon, ouais, il faut être précis, hein. Parce que sinon, ça vous l'a fait à l'envers. Ok. Alors, je suis pas sûr qu'il faille tout de suite passer par là, mais on va y aller quand même. Ah bah si, c'est ça en fait, c'était juste pour récupérer le troisième diamant, très bien. Et bah une fois que ça c'est fait, et bien il ne suffit plus qu'à aller jusqu'à la sortie les amis. Hop là, et le dernier, et voilà. Alors est-ce que du coup on a fait la mission bonus qui devait être, je ne sais pas, devait y forcément avoir une mission bonus comme d'habitude dans tous les stages. Est-ce que là on l'a ou pas? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr.
3 moins de blocs seulement. Ben, jamais de la vie, jamais de la vie. C'était pas possible pour nous. Alors, du coup, plateau champion rock. Je ne sais plus du tout combien il y a de niveaux dans ce Captain Toad. Vous savez quoi? Je vais regarder un petit peu ce qu'il me semble qu'ils auront peut-être ajouté. On espère, ça n'a pas été annoncé, mais peut-être des stages supplémentaires. Je ne sais plus si ça avait été annoncé. Il ressortira sur 3DS et sur Nintendo Switch. On va regarder le nombre de stages Captain Toad. Tu sais quoi? Histoire de voir un petit peu. Toc toc toc, j'arrive pas à trouver le nombre de stages. 70 stages, il y a 70 stages. Vous voyez que ça. Alors c'est un jeu. Malheureusement, c'était un jeu qui se faisait très rapidement. En espérant qu'ils aient augmenté le nombre de stages dans celui de la Nintendo Switch. À moins que ça soit vraiment juste le portage de la version Wii U, ce qui serait vraiment franchement dommage. Attends, il y a un petit truc ici. Ok, champ pipi. C'est nickel. Ensuite. Ça, on peut. Ah, mais c'est vrai, il faut utiliser toutes les fonctionnalités. Alors, attends, vas-y, viens là, toi. Non! Je t'ai raté, c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, le masque-casse, boum! Très bien. Allez, vas-y, dépêche-toi. Allez, mange-toi ça! Bah, c'est peut-être un truc avec abattre tous les ennemis, hein. Ok, alors ça, j'aime bien le coup qu'il y ait du tactile, je me souvenais pas qu'il y avait du tactile, et ça peut être franchement sympa pour la Nintendo Switch, hein. Non, je suis sûr qu'il va bien se vendre sur Nintendo Switch parce que c'est un très bon jeu et qu'il mériterait une deuxième vie, tu sais quoi. Il mériterait franchement une deuxième vie, ce jeu. Alors, par contre, si je passe là... Ok. Ah d'accord, c'est chaque bloc indépendamment. D'accord. Ah, j'étais sûr qu'il y avait un truc caché. Et du coup, après, on le fait descendre, non? On le fait descendre encore un coup et puis du coup, on peut aller en bas. Allez, mais goûte ça! Mais goûte ça! J'étais sûr! Allez, on fait tourner ça. Bim. On ressort de là. Le petit ascenseur s'est effectué. On le redescend. On fonce dessus. On le remonte. Ah non, attends. On va quand même aller essayer d'abattre les dernières ennemies. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux regarder soit sur l'écran. Allez, vas-y. Non! Ça, c'est le champignon de vie. On l'a pas eu. On a pas eu le dernier ami. À mon avis, il y avait une mission d'abattre tous les ennemis. À mon avis, on l'a pas eu. Malheureusement. C'est vrai que de base, c'est un jeu qu'on peut jouer complètement sur la tablette. Hein. Donc ça, c'était plutôt pas mal hein, à l'époque. Hein. Ça, cette Nintendo Wii U, on n'y a pas à dire. Franchement, elle était canon. Et regardez tous les jeux qui ressortent sur Nintendo Switch, qui étaient sortis sur Nintendo Wii U. Ça veut bien dire que la Nintendo Wii U aurait dû avoir une meilleure vie. Vous pouvez consulter le mode d'emploi. Oui, on sait très bien. Elle aurait dû avoir une meilleure vie que ce qu'elle a eu. Et honnêtement, je vous conseille la Nintendo Wii U si jamais vous l'avez jamais eu et que vous la trouvez à un prix abordable. Il y a tellement de jeux, le fameux Super Smash Bros. En attendant celui de 2018, on s'en refera un petit peu de toute façon sur la chaîne. Vous me dites d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez voir par exemple une vidéo indépendante de en dehors des lives sur le Super Smash Bros. Si vous voulez voir une vidéo également sur les jeux qui vont sortir sur Nintendo Switch et qui sont pour l'instant seulement sur la Nintendo Wii U, n'hésitez pas. Franchement, ça sera avec grand grand plaisir. Ah, c'est fun ça. Je m'en souvenais pas du tout. Ah ah. Alors. Ok. Attends. Les taux on se calme. On va se calmer un petit peu. Oulala. Attends, on va essayer de l'emprisonner pour la récupérer celle-ci. Ah punaise, bien joué. Allez. Voilà, ça, c'est effectué. Ok, maintenant, on va checker un petit peu ce qu'il y a dans les petits trucs là-bas. De toute façon, il faudra se séparer pour aller récupérer les machins. Attends, vas-y, on va se séparer déjà là. Très bien. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ok. Voilà, alors, il faut gérer les deux personnages en même temps. C'est chaud patate. Je vais récupérer quand même tout ce qu'il y a à récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres petites choses. Hein. Alors, il y a des sous-niveaux là. Il y a des trucs en plus, mais déjà on va s'occuper des blocs. Tu sais quoi? On va s'occuper des blocs. C'est pas mal au niveau des énigmes, hein, je me souvenais plus de tout ça. Ah ben voilà, très bien. Ok, hop. Là on n'est pas trop mauvais. On va tourner ça dans ce sens-là. Allez, il y en a un qui est tombé. L'autre est tombé aussi. Alors toi tu tombes. Toi aussi. Ok, très bien. Tu peux lui sauter sur la tête ou pas? Oui, bien sûr qu'on peut l'écraser, bien évidemment. Allez, hop, tu vas lui ouvrir le petit passage. Je me souvenais pas de tout ça. Je me souvenais pas qu'il était bien à ce point-là. Je me souvenais qu'il était chouette, mais je me souvenais pas qu'il était chouette vraiment à ce point-là. Attends.
Ah, tu peux le récupérer là, toi? Est-ce qu'il va revenir ou pas? Ah, il est là. Attends, vas-y, attends. Chope-le, chope-le, chope-le. Nickel. Alors. Qu'est-ce que ça nous a ouvert comme passage? Ah. Allez, tiens, toi, ça c'est bon. Ah oui, mais attends. Le deuxième est là. Attends, tu peux descendre là. Très bien. Hop. Voilà. Et ben voilà, vous pouvez vous rejoindre, les amis. Allez, viens là. Allez, marche contre le mur. Et on y va. Il doit y avoir un troisième petit diamant qui doit être caché quelque part, les petits toads. Alors vous allez venir tous les deux sur la passerelle, puisque c'est ce que requiert le jeu, puis on va s'arrêter juste après, puisque je pense que la vidéo aura assez duré. J'espère que vous avez kiffé, franchement n'hésitez pas. Oh non, on en a que deux. Non. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, on se quitte sur un échec. On se quitte sur un échec, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà les gens, à peu près à quoi ressemble Toad Treasure Tracker. C'était bien évidemment sur la Nintendo Wii U, hein. Je voulais pas montrer au début, mais c'était dessus. De toute façon, je vous l'ai dit au fur et à mesure. Et donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous désirez voir par exemple le Mario Tennis Ultra Smash, la version Nintendo Wii U, avant que Mario Tennis ressorte sur Nintendo Switch, enfin sorte sur Nintendo Switch, c'est un nouveau Mario Tennis qui sort sur Nintendo Switch, mais que si vous avez envie de voir l'opus précédent, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Pareil pour Super Smash Bros de Nintendo Wii U, n'hésitez pas à me le dire, je suis vraiment là pour vous faire plaisir et pour vous montrer les jeux que vous ne pouvez pas voir ailleurs ou que vous avez envie de voir et que vous ne savez pas trop où trouver, il n'y a vraiment pas de souci. Et moi je vous souhaite une très très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me laisser un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, il y a mes réseaux sociaux qui sont là et non, on se retrouve sur la chaîne très très vite ou pas, ça sera toujours encore à vous de décider, vous savez comment ça fonctionne, salut salut. Hey, hey, down, down, the farther we go, hey.